Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Voilà monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui on va parler politique, de manière ferme si vous voulez, avec l'ancien sénateur de la République ou sénateur tout court, parce qu'un sénateur garde toujours son titre, Évalière Beauplan, qui est avec vous, avec nous sur le plateau aujourd'hui. Nous parlons qui secret pour qu'un sénateur fait 3 mandats consécutifs et peut-être à côté de secret, pour qu'il résultat aussi avec vous. Sénateur, bonjour et merci pour disponibilité à Métropole. Bonjour, les Augustes. Permettez que je salue tout et fidèles auditeurs et téléspectateurs. Aussi. Sur Radio, oui. Et Métropole, le staff là qui rend l'émission ça possible. Et permettez, je dis, mon salutation spéciale à Wendell Théodore, mon ami, mon frère qui était souhaité quand même. C'est avec elle pour me donner mes quoi, mais c'est avec vous-même. Bon, pour les baguettes, nous mettez paille. Donc, finir autant. Non, nous allons considérer paille. Trip pour trip. C'est vous faire rire. Trip pour trip. Vous représentez valablement, je pensais que moi, je suivais Michel. Donc, c'est comme si c'était Wendell Théodore. C'est pas pour Jojo. Vous connaissez son aide, m'a suivi longtemps. Et que m'apprenne à. Un plaisir de marcher sur cette place. Micro, bon, quand même. Son plaisir pour moi, pour ma voix. Je merci. Et merci d'être là. Et nous t'avons fait émission, ça s'est longtemps. Et en termes de rappel, vraiment. Question directe. Vous êtes parmi un rare monde qui fait 3 mandats comme sénateur. Quel est le secret? Bon, son secret simple. Et pour un bagaille, dans la vie, pas où faut que, dans plus jeune âge, il faut déjà exister donc qui sont venus. Objectif, c'est qui ça? Qui sont aspirés à venir dans la vie. C'est ça qui va permettre que le comportement dans la vie, c'est ça qui va permettre tout ça que vous pratiquez ou faire en fonction de, mon Dieu, qu'on dit en fonction de cause là. Moi, tu es toujours quoi que. Fort mal en politique. Mais le métier m'a choisi, je choisis comme on voit pour mener vers la voie réelle. Parce que pour moi-même, moi, je soutiens une zone qui est très régulière dans le pays, qui est nord-ouest, qui est méprisée, qui est marginalisée. Je me toujours dit, volume problème qu'il y a dans le département, ça, c'est le seul petit département. C'est arrivé au timon des affaires qui est capable de résoudre le problème. On a plusieurs générations de politiciens qui passent, ils ont chaque bon résultat. Parce que nous dépouvons de tout. Nous avons toujours dit que c'est le seul département dans le pays qui n'a pas 5-6 km de route bétonnée, même adoquinée. C'est le seul département dans le pays qui n'a pas de grand pont. C'est le seul département dans le pays qui n'a pas de bon terrain de football, qui n'a pas de grand aéroport. C'est le seul département dans le pays qui a malgré richesse, l'histoire qu'on connaît, Mol Saint-Nicolas, l'île de la Tortue, la pointe des Capans à Fouleur, qui n'a pas de site touristique que le monde devait visiter. Mol Saint-Nicolas, dans l'histoire, pour l'habitude, le dépôt de charbon de bois ou station navale, ville de la découverte, oui. L'île de la Tortue, histoire flibustier, boucanier. Mais ça va faire que personne, les gens effectuent visite vers l'île de la Tortue. Il y a 8e plus belle plage Caraïbe là. Près ouest de l'île de la Tortue. Donc avec toute histoire qu'on connaît, avec côté de tout bon Dieu, le fort des trois pavillons qui rappelle la résistance héroïque de mon partout de l'éclair. L'histoire de Cap-Roi-la-Mort qui t'a fait exploit dans nos pays où les trois. On nous dit c'est croisement culturel. Religion catholique avec Christophe Colomb qui plante en croix, qui symbolisait le catholicisme, la présence du catholicisme. C'est moi aussi qui en a parlé. L'amour universel. Alors, moi aussi, nous sommes allés dans notre commune qui est dans le nord-est également. C'est lui du nord, peut-être. Yes. Mais c'est lui. Christophe Colomb, lui dit c'est la présence du catholicisme. Planté en croix. Les symboliser, présence, puisque vous connaissez catholique qui est plus présent en Europe. Maintenant, Bertrand d'Orgeron, venu dans l'île de la Tortue, qui vient converti Boucanier en de véritables et des nègres qui ont prêché l'évangile. C'est ça, on dit, le protestantisme vient présent dans l'île de la Tortue. Donc l'histoire du Nord-Est. Et puis, premier temple vaudois, pour ériger à la pointe, avec Deka, vous connaissez ça, premier esclave qui était révolté, deuxième esclave, après pas de gens. Donc, vous avez un catholique, Mons. Nicolas, avec Christophe Colomb, vous avez. Bertrand de Giron avec le protestantisme et Bouguin, Vaudou. Tous les trois créés dans le nord-ouest du pays. Je vais me visiter. Donc, il y a un département riche en histoire. Très riche. Vous les témoins et du balbutiement de l'histoire d'Haïti. Depuis plus jeune âge, moi, pour témoin, ça et ça, tout partout. On parle de déboisement systématique nord-ouest avec Duvalier, Campèche, toute histoire. Ça. Donc, mon avis, dans moi, il y a un porteur de messages. Et c'est ça qui pourrait le faire que je m'en vue par rapport à la population qui était là que ça a représenté nous. Deuxièmement, songer que c'est médecin.
Moi, il faut rentrer dans les sections communales. Il y a un point peut-être qui étonne dans tout le monde. Il y a un point qui dit que, n'en déplaise à vous, même si vous êtes malade, vous n'êtes pas d'accord. Bah, bon, il n'y a pas d'accord encore. Il va la prendre pour le médecin aussi. Il va la prendre pour le médecin. Il va la prendre pour le médecin. Donc, il y a plus de monde qui va d'accord parce que les gens ont tellement pratiqué politique ou dans politique, on dirait qu'ils ont oublié la médecine. Est-ce que Blouza a jeté ça? C'est fini. C'est un médecin. C'est sans dire là. Un journaliste, la prochaine fois, pour le premier rôle. Souvent, on parle, on va épeler qu'on y a. Touche de balle là pour vos son ancien grand joueur. Ligue de pas qu'à physique assez pour le faire match, mais elle a amorti ballon, on dit ça, monsieur, t'es quoi le jeu de football. Maintenant, on nous tourne sur peut-être même question à double volet que je t'ai posé là. Rare monde qui fait 3 mandats comme sénateur, mais pour quel résultat? La question est directe, évidemment. Je sais pas, je fais une révolution. Une révolution dans le Van Nord-Ouest. C'est unique qui fait. Tout journaliste qui a une caméra dans la main, je dis à vous, il y a une image pour le Saint-Nicolas, il y a une image pour le Père, il y a une image pour le Saint-Nicolas. Et il y a toutes les transformations faites devant vous. Le mort Saint-Nicolas sorti des dépôts de charbon de bois, je dis à même Jovenel Moïse, le président républicain, référencé c'est le mort Saint-Nicolas. Sous Madame Pierre, lui, il y a 8 ministres qui débarquent mort Saint-Nicolas. Premier avion débarqué mort Saint-Nicolas en 2006, Steven Benoît, M. Dedon. Rime pour M. Dim, que m'a invité dans le festival, mort le côté de la descente. Et il y a des journalistes, il y a des images pour qu'après, il y a aviation. Ou aviation militaire pour permettre Chatter de débarquer dans Mall Saint-Nicolas. Je commence en 2006. Je dis à Mme Mall Saint-Nicolas et puis fais montrer l'image de 2006. Je ne vais pas oublier ça. 11 ans, je mène en bataille, vend tout le jazz pays, que les Tropicana, que les Rams, que les toutes sortes qu'on est. Moi, de fond et forme débarquer dans Mall Saint-Nicolas et me dit unique bagaille, moi, besoin de message. L'île de la Tortue, c'est la même histoire. Mais est-ce qu'il y a des infrastructures qui faites dans le Mall Saint-Nicolas, bétonné. Je dis à vos compagnies privées, parce que c'est nous qui t'es les premiers pour le Mall Saint-Nicolas. TNH écrit, sous les nouvelistes écrit, sous les yodis, même Jean-Christophe Coulon, elle est venu. Moulin de dire, maravillosa. Eh bien, joue beau plan, récifé ville, ça allumé. Peuple Mall Saint-Nicolas ouvert braille autant que c'était Christophe Coulon, t'as venu dans le bateau. Mais je dis à Mall Saint-Nicolas, il y a 24 jours. Bonne heure de ville qui peut être capable de parler de vous, combien de monde qui peut Jean-Abel, par exemple. Il y a deux monde qui marquent Jean-Abel. Il y a un monde qui est Jean-Marie Vincent, qui t'est mené courant Jean-Abel, qui mettait cinéma Jean-Abel. Jean-Marie Vincent allé, Jean-Abel fait 20 ans, n'en fait loin. Et puis 2010, je m'étais premier en poulet encore, relever la ville là. Je relevais la ville là. Il y a la tortue dans l'inauguration ça. Maintenant, si on parlé de l'infrastructure. Je veux dire, c'est comment ça a transformé 24/24. Si on parlé de l'infrastructure, on parlait de ça, mais en loi de sénateur au Parlement. Avec Prival. Avec Prival. Moi, j'ajoute l'autre bagage. Avec Prival. Jean-Abel travaille avec le président. Pendant la fête discours dans l'Ouest, il dit route là, très difficile parce que quantité pour Souli à vaut 110 millions de dollars. Je fais 6 ans ma bataille avec le président Rival, 17 pour faire sur le ça. C'est ça qu'il faut entendre Jovenel à parler en tant que président de route là. Parce que pont, vous faites déjà 17 ponts. Nous goûtons avec le président Rival. Madame Michel Duvier-Pierre, ça, au Caraplo. Dans le Sénat, avant pour voter, il y a offert chaque sénateur en bagaille. Il offre une ONA. Il dit, président, bon, font deal public de préférence. Et moi, je fais marchandage, vote moi pour le pont sur les Trois-Rivières. Parce que pour qui ça? Équipe moun qui dans commerce pour de paix, te dit si pont ça pas fait, il pas faire ni waf, il y a pour de paix. Parce que pour de paix saturé, c'est de l'autre côté des Trois-Rivières, il y a espace disponible pour ça. Moi vinn croire que son bataille faut que moi relier permettre communication entre 4 communes qui dans Banodo et ces 6 jours. Moi fait publiquement le moun, maintenant nous voyons phase pratique politique au en termes de culture, maintenant voyez ou bien voyons ensemble le rôle de parlementaire. 3 mandats. Si on a cherché au Sénat, qui est-ce qu'on trouve en termes de référence d'activité parlementaire réelle au Sénat à travers ou bien à côté d'interventions pompeuses qu'on fait comme parlementaire réel? Jodia, si on a parlé d'évaluer vos plans comme sénateur, qui s'en a pour, comme chaque, production chaque, parlementaire. Chaque sénateur, où évolue dans le domaine, malgré ses médecines, conformation à Sciences Po, ou après que ses diplomaties me choisissent. C'est unique sénateur. Qui arrivait pendant mon mandat, évaluer toutes les missions diplomatiques d'Haïti. Évaluer et faire des recommandations pour que le changement opère. Malgré, de temps en temps, c'est sinusoïdal, les montées, les descentes. Bah, j'aime bien l'opportunité de tout, capable de sanctionner, s'il le faut, en question oui, de les ministres, nous sanctionner. Renvoyer les ministres qui n'ont pas de résultats. Parce que je vous dis, ah, si on a regardé la diplomatie haïtienne, non. Il n'est pas encore. Qui n'est pas en bonne forme, aller, en bonne santé. Sous Prival. C'était des invitations sérieuses qu'a fait, évaluation à faire. Moins faire proposition de loi.
sur la réforme de la diplomatie. Parce que ça nous gagne daté de 58. Il désuète, ça nous gagne. À moins que ces lois internationales, par la Convention de Vienne, mm-hmm. les lois qui régissent le fonctionnement de la diplomatie haïtienne, non, il dépassait. Donc, moi, c'est unique, nèg, comme président de la Commission d'affaires étrangères, qui dépose ça. Mais comment réforme la doit faire? En résumé, contenir, c'était qui ça? Bon, c'était permettre que tout ça qui régit le fonctionnement réel de la diplomatie, comportement, qui profile au monde de guerre, pour devenir ambassadeur, pour devenir consul général, question loyer ou question tout ça qui a rapport à la diplomatie d'une manière générale, comment nomination doit faire. Je dis, puisque nomination, c'est des bagailles qui sont dans la rue, des fois. Des fois, c'est des mondes qui entrent dans l'État encore, et puis l'école privée. Oh. Mm-hmm. À l'époque, nous avons commencé à la diplomatie parce qu'on a l'école privée. Je dis, il y a un pourcentage que nous avons l'école privée. Oh. Pour que le concours soit libre, pour que quel que soit le monde sorti dans l'INAGI ou bien sorti dans l'école privée, il faut le même droit avec les gens qui sont dans l'école privée. Hein. L'État, qui est l'État, c'est qui est diplomatie, comme on nous dit, choix la bataille. Mm-hmm. C'est lui qui nomme tout le monde. Maintenant, président. Et les conditions capable, de nomination aussi. Oui, président capable de prendre 40% pour les nominations d'ordre d'honneur. Au cas où on est bourré, mais on est qui est un bon ministre, on est qui est un bon diplomate. Mais nomination d'ordre de carrière, on nous demande pour que 60%. Il faut respecter 60% du nec qui rentre, ou pas besoin de grand parrain. Et puis, vous là et. Depuis tout le bagage, respecter ou là. Question loi sur Timoun qui a bu alcool. Chauffeur qui a conduit avec alcool, nec qui a pris drogue. C'est moi-même qui viens avec proposition de loi ça. Proposition, ça ne va pas jamais passer. Mais on compte, il vient à la chambre député le mouille. Parce que ce sont ces mêmes sonnets qui sont toujours dans l'opposition, presque, à cause de côté de sorti. Depuis après reproche, on a tous dans l'opposition. Ça fait que la majorité des gens qui parlent sont toujours pour le pouvoir. Donc, là, on est de l'opposition. C'est difficile pour que au moins une proposition passe. Parce que dans le Sénat, les gens viennent député, ils mourent. Parce que je ne suis pas backup des fois dans le député. Sauf que Dieu, je me suis dit, il faut fort. Pour que proposition de loi qui a rapport avec la prise d'alcool par les mineurs, pour le arrivé passé. On nous dit enquête. Enquête qui était faite sur la nationalité, Boulos, Timo Compère, Léry, et Woody Boulos, qui était parlement. C'était enquête PAM. C'est moi qui t'ai fait. Enquête sur dilapidation fonds qui a loué à la diplomatie, à Ira Abraham, Jodian, à Rod Bruno, à Rédé Débé. C'était enquête PAM. Sans compter, ou Grédi, ou Petro-Caribé fait de fond. En bonne et due forme, jusqu'à présent, aucun nègre n'est pas capable de reprocher Petro-Caribé. C'est la deuxième enquête qui fait, 1000 pages d'annexe, environ 912 pages. Mais il y a toujours reproché, surtout dans le dossier Petro-Caribé, que c'est. À côté de cette vérité sous dilapidation de fonds et en termes de gaspillage, malutilisation, etc., etc., les preuves sont là. Mais aussi qu'on portait politique dans l'enquête ça tout. Il y a des gens qui n'ont fait enquête là, qui n'ont pas de la donner. Bon, il y a des gens qui l'ont donné tout, qui étaient de la donner. On dit n'importe quoi de cette enquête. Bon, maintenant, enquête. Qu'est-ce que vous répondriez donc, face à une telle question? Une enquête est enquête. Ou bien, on a une enquête, ou bien des faiblesses dans l'enquête là. Il y a des documents, par exemple. Par exemple, un bon exemple, je viens de faire enquête dans FAES. Ancien directeur FAES a mouru avant de faire enquête. Tout document pour permettre que je finalise l'enquête FAES, je ne pas jeune. Maintenant, le ministère des Sports, il n'y a pas moins de documents pour faire enquête. Je me demande pour que le coup de compte approfondisse l'enquête là, dans le niveau ça. Yo. Comptable dénié public, yo. Même si j'ai en tant que parlementaire, je me fais enquête qui paraît superficielle par rapport avec et employé troisième catégorie. Je me fais le sous-ministre. Je fais ce directeur général. Mais enquête qui a rapport avec comptable, car il comptable, c'est qu'on est compte. Bon, on va faire rapide, et, sénateur. Nous ne connaissons pas le temps, vraiment. Nous t'ai dit ça, nous t'ai entendu sur ça. Nous presque à fond qu'on dans l'émission. Ouais. Mais je dis, après 3 mandats, vous pensez que vous êtes capable de battre les sonacou côté sénateur de la République, ou bien vous avez des choses à vous reprocher en regardant le Parlement de manière générale, le Sénat de manière particulière? Personne, que ce président, que ce ministre dans le pays dans quoi Haïti, personne ne va capable de l'estomac. Raison simple. Même les gens qui voient Oyo, ils ne savent pas qui job vous venez faire. Vous regardez, la majorité frappe ma prince, c'est pour route qui n'est pas faite dans l'Ouest. Ce n'est pas attribution. La majorité frappe ma prince, c'est un marché public qui n'est pas fait d'un côté. Pendant que ça qui est vraie attribution, c'est pour tes messages à la tribune du Sénat, pour que vous revendiquiez pour l'Ouest, ils sont fiers de ça. Ou très représentatif. Ou représentez nous valablement. Moi, je ne suis pas fait de autre. Ou son grand tribun. Ça, c'est le job pas maintenant. Pendant que je fais un compliment pour véritable attribution, là, et puis on dit, non, mais bon, là, quand même, je ne suis pas en route. Il oubliait que c'est Madé pour Madé route. Il oubliait pour son combat pour me livrer pour me jouer.
Yo oublié terrain football là, c'est mandé pour mandé. Donc, c'est ça, l'or ou à l'échelle nationale, on peut arriver au cap, la caillou, dans le sud, oh, c'est un tableau blanc, ma vie, c'est un tableau blanc. Dans le nord-ouest, mon catégorie, mon capteur, mais mon blanc noir, mon cher, nous fiers de vous. Mais là, on vient dans le milieu, côté paysan, exemple. L'irait même, parce que peut-être me porter job, mais petit lit. Mais tiens, sénateur, ou quittez nous, ou fait mandat, ou pas fait route là pour nous. La politique, dit-on, mais est culturelle, vous savez. Bagala frappé ou, mm-hmm. Mais c'est pas attribution par où. Et c'est ça qui faiblesse toi, Kabalmater. Deuxième bagaille, je m'ajoute, l'homme rentré dans le Sénat, ou moins au bon Sénat. L'homme dans le mi-temps Sénat, dans le deuxième mandat, ou bon Sénat. On va regarder à la tribune du Sénat, dans le moment où on a marqué, il faut, beau plan, et Yuri, non bon, dans l'autre bord, nous avons Kélibassien, nous avons Edouard Bozil, nous avons la meilleure possibilité que ça. Ou senti qu'on débat animé. Dans l'autre législature, ou après une bataille, on a une bataille, dans le gars, il m'a fait face à Nick François. Mm-hmm. Donc tout intellectuel, contentez-vous, je dis, monsieur, il est élève, étudiant en sciences politiques, regardez-nous, on monte niveau. Et il y a une capacité pour monter niveau. Il y aurait en particulier qui lit. Mais dernière législature, ça. C'est Mathieu Fécal qui était fini. Donc c'est donc qu'on me soutient en l'air. Qui était fini. Nous sommes génies. Mais je dis, nous regardez comme parlementaire avec expérience qu'on gagne, débat fini en bas de journée, parlement. A tort ou à raison, qu'on a pouvoir, on a opposition. Qui sensation gagne face à ça? Très mauvaise sensation. Même juste aller dans l'image, monde là, et puis me dire nous pas seul. Son stratégie de combat. Stratégie de combat où il y a une minorité qui a bataille face à une majorité qui partent des raisons. Au Sénat de la République, c'est des gens qui gagnent niveau. Même là, il y a une majorité, depuis débat fait ou gagne débat, il y a beau gagner. Côté qui gagne. Attends, normal, ça devrait être ça. Voilà. C'est nous qui avons un niveau. Est-ce que nous pouvons comprendre ça aussi? Un niveau. Regardez, sous l'époque Yuri, nous sommes minoritaires. Mais nous menons débat pendant plus de 20 heures de temps. Nous avons accepté, nous avons absorbé, qui n'a pas absorbé, nous n'a pas absorbé. Et tout n'est pas absorbé. Son débat intellectuel ou débat politique. Mais là, nous avons décidé pour que point de vue ne pas passé. C'est que si nous avons pu dire, pas de deal, ou pas de deal, personne ne va attendre, nous sommes d'accord, nous payons du vote là. Mais le débat, il faut gagner parce que le point de vue pas mal est réel. Peut-être problème de matière grise, on voilà, conduit vers voilà. La matière fécale. Maintenant, c'est finalement, ce que vous voulez nous faire comprendre, sénateur. Mais la font provocation. L'autre la font provocation. Il va dire que lui répond aux provocations. Pas aux provocations. J'ai l'impression c'est ça qui est à la base tout dégât. Quoi. Mais de toute façon, ça va arriver. Mais maintenant. L'arrivée, il faut quand même vous dire population. C'est pas ça qui doit imaginer réel là. Pour que personne ne va prendre ça comme exemple. Pour comprendre que nous besoin de reproduire plusieurs fois. L'arrivée, c'est une stratégie de combat. Nous souhaitons que les gens qui viennent sénateurs, députés, à la hauteur. L'autre dit stratégie de combat, c'est-à-dire c'est penser, c'est réfléchir, c'est calculer, c'est réunir. Il a crasé. Il a crasé. Il a dit qu'il y a un terroriste en Irak. Et jusqu'à présent, on a tenté de justifier ce que c'est pour terroriste. Terroriste, il a écrasé l'Irak. Il y a des gens qui ont dit non. Mais faire certains Américains qui ont intérêt en Irak. Non, si vous permettez de me poser une question. L'autre dit Mbadi Journée, Parlement. C'est une stratégie, par exemple, stratégie de combat. Ouais, c'est-à-dire des sénateurs Chita, ils ont réfléchi, ils ont dit que c'est... Mbatla, de Taïwan, de l'information, Taïwan, diplomatie. Non, alors ça, je ne parle pas qu'ils ont directement. Moi, mais des sénateurs Chita, ils ont réfléchi, ils ont dit, monsieur, voici la prochaine étape, ou bien la nouvelle étape. C'est des partisans de sénateurs qui croient faut bouter tout ça. Qui connaissent les honneurs, dit-on. Qui connaissent les honneurs. Ah, sénateur, mais quittez ça sur votre, on a réglé. Des fois, sénateur, on a réglé. Ah, sénateur, nous connaissons monsieur Paris là, demain si vous ne pas même quitter nous parler pour voter, n'a pas réglé la question. Oui, mais c'est-à-dire on donne la permission à quelqu'un de parce faire que ça. Parce que pas quoi, quel beau plan, quel cateau, quel nénel, quel ricard. Il n'y a qu'à imaginer nous-mêmes pour aller prendre matière fécale pour le mettre. Mais si vous pouvez ne pas le faire, mais vous donnez l'ordre, vous acceptez, vous laissez passer. Je dis un, vous fermez je, les yeux je aussi. Je dis un Jovenel Moïse mourit, personne ne va comprendre ce qu'il laissait passer. Enfin, certains mourir, qu'on dérive, qu'on bagaille qui fait, qui échappe à contrôle tout le monde. Des fois, dans la société, il y a toujours ça. Ou quand il y a des gens qui ont une sécurité, il y a une agression qui fait ça. Ce n'est pas l'autre qui a une sécurité qui réagit. Des fois, ou qu'on assume, ou bien assumer à l'aigle. Parce que c'était pour sécurité ou que l'aigle a réagi. Mais des fois, ce n'est pas sous l'ordre de réagir. Il y en a qui est plus tempéré, il y en a qui est plus agressif. Vous savez, on appelle les sénateurs des sages. Bien sûr. Donc, les sages qui par exemple, le dans une situation difficile, qu'on est minoritaire. Le temps d'abrenter dans le Parlement. Population envahie parlement. Pas de machine à patrie. C'est où nous en dedans plein. Ah, sénateur, nous quatre, nous connaissons les capables de tuer nous en dedans là. Peuple a débarqué avec nous. Ou pas de choix que accepter peuple là avec vous. Parce que vous parlez pour lui, lui croit qu'il y a des gens qui sont sensibles à cause de lui,
Et puis choisir embrasser cause même cause. Si vous me le permettez, est-ce que la raison politique ou la sagesse parlementaire pas capable fait que vous dit ah même si nous avons, mais là vous ne pouvez pas arriver là. Yo pas attendez, bon exemple. Mon débat qu'a fait dans Sénat. C'est-à-dire vous avez des gens qui vous suivent qui vous écoutent bien sûr, pas. Bien c'est sûr. Ça. Que les monde qui pas attendez vous. C'est des militants oui. C'est cause là embrasser, c'est pas fanatique beau plan, ni Nedel, ni Kato, ni Ricard. Maintenant yo gon cause qui a défendre, yo wè des nèg qui portent cause à la tribune du Sénat pour yo. Yo sensible à eux même. Mais vous n'avez rien fait pour soit dénoncer et c'est-à-dire décanter oui et prendre distance à ça qui fait là, vous n'avez rien fait. Face à la raison des fois dire attention. Mais il faut faire dans les coulisses, on pas qu'à faire publiquement. On est qui vient porter support là où. Les qui doit faire de manière maladroite. Maintenant si vous avez pour demander de rectifier ou pas faire publiquement. Là je l'ai dit monsieur, on est d'accord sur quoi, mais par contre ça vous faire long. Mais aucune rectification n'a été faite et l'image est encore là et même un ancien ministre dit sénateur qui t'a boumé pour Sénat arrêté dans la constitution qui était en gestation. Il dit, messieurs, nous n'étions pas disjoncts dans le Sénat pour nous te faire, mais qu'on est assis, nous voulons le Sénat arrêté. Mettez garçon sur nous, à le défendre, important Sénat. Vous avez entendu cette parole aussi. Moi, quand ça va reprocher, au Sénat qui sont lieu de débat, il n'y a pas reproché tout 27 nègres. Face à 4 nègres, il n'y a pas décidé de quitter 4 nègres. Non, en démocratie, je viens faire débat. C'est moi qui t'as de courir. Je décide de faire débat. Il y a 4 nègres qui viennent pour solliciter la parole. Par rapport à 25 autres qui prennent solliciter la parole. Si tu as au moins capacité pour faire débat, 25 nègres t'ont éclipsé nous. Mais ils n'ont pas décidé qu'ils viennent parler. La société n'a pas fait ça. Ils ont budget, nous c'est président, vice-président de la commission finance, nous m'ont découvert des comptes à la ville, son budget, il y a un avis défavorable. Nous dit si le budget ça a voté Jean-Lia, puis après l'accuser, on a un déficit budgétaire. Personne ne dit rien, ils ont voté Jean-Lia. À la fin de l'année, 40 millions de déficits budgétaires. Petro-Caribe nous dit, mais comme pays qui gaspille, personne ne va dire rien. Mais je dis, tout le monde a envie de nous raison, pas qu'il y a l'hôpital dans le pays. Tout le monde a envie de nous raison, pas qu'il y a route dans le pays. Tout le monde veut nous raison, pour qu'il ne fasse pas de bon. Donc, finalement, société, son société qui marque réflexe pour un peu le monde. Il n'y a pas en fonction de faits qui sont devant eux, sans ne pas tenir compte de ce qui a passé de l'autre côté. Et nous-mêmes, nous n'avons pas de poté pour nous. Les gens venaient faire caravane. Même pas grave, je voulais le sortir même côté. Sauf moi, je dis tête, mais comment je prends le contrôle l'argent, ça va dépasser. Nous demandons pour camper pour que le ministère sectoriel prenne responsabilité. Yo. Mais il prend tout le bagage, converger vers le bagage qui est caravane. Ah, le nec de gauche, envie, je venais pas faire projet, mais finalement. Je venais faire projet, on a tout pour la petite, ah, projet, bon, port de paix, la caille, moi. L'air fait projet, port de paix, bétonné, port de paix, son plaisir pour moi. Si je campé, je t'ai demandé, lapidem. Mais qui ça tout le monde dit? Je me dis, mais qui côté? Dans quel budget et projet de choix? Tout le monde dit, ah, bon plan, qui est président de travail? Je me dis, silence. Je dis, ah, Jovenel Moui. Nous devons continuer le projet, personne ne va dire sous qui rubrique. Dans quel budget projet ça a été? Nous avons continué à parler peut-être de ça après pour ça, parce qu'il y a un temps à respecter. Bas de monde dit que l'autre élaboré sous parole et que je vous pour la parole. Mais nous avons proposé de tourner rapidement. Et nous avons parlé de questions pays l'autre, parce que nous avons quelques questions quand même pour nous poser sur l'étape ça à tout. Donc il y a le succès parlementaire, il y a aussi les résultats. Donc que nous attendons, que peut-être il y a des reproches à tort raison. Tournez sur ça dans un instant, mes amis. C'est le temps de la pause. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Une émission pour l'histoire, et comme toutes les autres, évidemment. Et tant qu'on nous t'a dit, nous avons un petit coralane en émission parce que chaque point, nous conseille que nous avons fait au moins une émission sur nous. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on gagne peut-être sans prononcer tout d'éloge à l'égard de ce parlementaire, cet ancien parlementaire, s'il le faut, qui a fait 3 mandats. Mais nous avons peut-être souhaité comprendre, nous avons envie de comprendre tout, certains points, certains faits, ou bien, by opportunité, s'il le faut, à le sénateur Valère Beauplan pour être capable peut-être expliquer, défendre. Et nous l'avons avec nous, nous lui donnons évidemment cette opportunité pour être capable peut-être partager sa compréhension des faits avec nous. En nous point précis, pays loc, parce que nous ne sommes pas capables de pays loc. Et nous songer, et moment triste ça, que vous êtes dans l'opposition, toujours dans l'opposition, avec un secteur démocratique, une opposition radicale, c'est là que l'adjectif l'a sauté. Qui mettait tout le monde en prison dans le pays pendant 3 mois, s'il le faut. Pour une seule raison pour le président Jovenel aller quitter le pays. Comment
nous-mêmes nous vivons moment ça, famille, amis et pays à jodi a gien des douleurs de pays loc auprès que chanter fait sous ça à tort à raison pays loc là bon nom. Bon, la parole est à la défense peut-être. Pas à la défense, peut-être ou à l'explication. À l'explication, bien sûr. Et c'est une stratégie de combat. Nous te croyons Haïti en tant que pays, même si dans tout grand pays. Regardez ça qui a passé à New York là. Il a accusé un gouverneur d'agression sexuelle. Il démissionnait. Nous pensons au monde qui est président de la République, c'est l'État qui a dirigé, il y a trois bagailles qui t'a deux animés. Peuple là, territoire, l'État. Et c'est ça qui arrive en 2004. Guy Philippe, une quantité d'espace que le prend, blanc justifié départ Jean-Bertrand Aristide que au pari contre le territoire. Au cap tombé, port de paix tombé, telle zone tombée. Nous t'es pensé. Il y a un président qui a une responsabilité pour le gérer au peuple, les doués, bon idée de ce qui a passé en d'un pays à chaque matin, même à travers le monde. Si le pays est arrivé là, le président va arriver dans le palais, nous pensons que c'est révérence de faiblesse. C'est ça pour prouver en partie que le président n'a pas contrôlé rien, pour nous prouver ça, c'est peut-être ça que nous devons prouver le monde entier que le président n'a pas contrôlé rien. Il n'a pas contrôlé le pays. Et qu'est-ce que vous avez voulu prouver également au peuple? Le pays a fermé. Maintenant, ça ne parle pas ces pays-là. C'est tant que le pays a fait l'oc-là qui va être problème. Ce n'est pas le pays-là qui va être problème. Tout le monde découvre que si pour Jovenel tomber, il faut une stratégie qui jette Jovenel, nous faisons pays-là. Mais son gélène sous trois jours. Tout le monde dit qu'il n'est pas tombé sous trois jours. S'il fait quatre jours, il a tombé. Là, nous disons qu'on peut dire, ah, mes amis, comment c'est fatigué, ajoute un jour encore. Et c'est ça qui amène tout le temps à payer l'oc là. Trois mois. Bien sûr. Nous comprenons que le pays a payé conséquence. Il paye elle-même, comme sur dans la guerre d'indépendance. Touristique, culturel. Il est arrivé sous Dessalines. Je dis, on a honoré Dessalines. Dessalines te dit, coupez tête, boule caille. C'est des stratégies pour te permettre que Français quittent le territoire. Nous c'était l'époque. Hein, époque, là. Infrastructure t'a prêté pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous pas de venir avec un pays l'oc pour nous permettre conséquence ça, le pays a subi. Nous venons pays là pour nous débarrasser pays de Jovenel Moïse. Mais malheureusement, songez bien que on bataille entamée. Il y a des leaders qui lancent ces batailles-là. Mais en cours de route, il y a des leaders qui peuvent émerger dans la bataille-là. Qui ont inspiré plus confiance que vous. Qui sont beaucoup plus agressifs que vous. Moi-même, beau plan, je dois attendre des raisons. Je me dis, ah, M. Fonfemé, mais vous ne pouvez pas parler au Kaï. Il dit, ah non, moi, je ne peux pas parler, non. Qu'est-ce que dit même bagaille Parlement et sénateur Beauplan et que Parlement badigeonné de matière fécale et pas gagné qui est capable de gagner contrôle ça? C'est pas contrôle là. Ouais, émission a fait là. Il y a tellement intéressant et puis il y a l'autre émission, on a piété sous lui. Ou pas, on nous compte qu'il y a 10 minutes qui passent en plus. Non, monsieur, que y a quelqu'un qui a ramené ma loi. On dit, sénateur, faut nous finir. Ok, sénateur, dernière question. Oui, vraiment, 30 secondes. Pendant prendre exemple, la programmation a rappelé ma loi, m'a obligé de fermer. Bien sûr. Et, moi, privé tout, il a obligé de fermer. Son peut-être. C'est en convergence d'idées. Son équipe qui a un problème, qui a le même problème qui est dans la rue. Pendant nous-mêmes, politiques, nous dans la rue, mais les professeurs, qui pas touché, sans que ce soit notre activité, dans la rue, tout. Ouvriers, ils viennent dans la rue. Chauffeur ou vient dans la rue. Des fois, ce n'est pas des gens que ou te gain contrôle qui vient dans la rue. Chaque jour, bataille a gonflé, a plus. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes face à un grave problème de leadership dans ce pays. C'est ça qui fait que nous toujours dit faiblesse. Même au sein de l'opposition. Faiblesse opposition. Faiblesse opposition. C'est ça notre leadership collectif. Hein. Dans toute discipline, il faut un général en chef. Pendant nos sous-prins, ça permet que me poser des questions. Il y a un reproche que nous faisons trois mois à Goumet contre le président Jovenel Moïse, mais nous ne pouvons pas entendre nous sur un monde. Parce que la petite histoire dit que le président était prêt à partir, à vous donner le gâteau, le beurre et l'argent du beurre. Mais entre vous, il vous a été impossible de désigner un homme. C'est ça seulement. Nous avons raison là. C'est ça fait nous ou besoin au général en chef. Pendant le pays, là, Jovenel Moïse relève dans le téléphone. Il dit, sinon, que m'habituer dans l'ordre, c'est dit, bon, moi, avant, pas de dériver là. Ou c'est dans l'ordre, c'est pareil. Moi. Mais faire certains il faut participer dans le fait pour voir la même. Vous avez besoin de mettre ma genou, C'est où capable de faire pour le faire. Quelle humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je suis prêt pour me battre 95% de pouvoir. Pas la faire pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas la faire pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes pour parler. Monsieur dit, où dans le téléphone, je me dis, président. Je dis, président, je vais le faire un bagage. Comme je me dis là. Je ne pas croire que moi, je vais avoir un frère parler ça, sur la question ça. Ma fond, on l'autre appel. Il m'invite tous les amis. Venez là avec moi. Nous sommes ensemble. Je me dis, monsieur, je suis obligé de mettre le président sur le speakerphone pour me faire reprendre le message. Laisse ça qui est-ce qui était là?
Bon, l'invité, vous connaissez. Depuis, je me dis, vous connaissez les grands ténors de l'opposition. Tout n'est capable de président Jovenel. Et gon plume avec papier dans mes nègres, il y a mis des questions pour me poser. Et tout n'est capable de. Quelles questions déposées? Je dis, président, tout n'est dit, c'est ma toy. Qui garantit que si au moins nous retracter, si au moins nous obtempérer, que va marcher dans le chic là? Qui ça, président, répond? Je dis, je veux jouer à l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, mais je ne peux pas croiser avec vous. Je ne peux pas croiser dans notre ouest. Fais ça pour moi. Et il est entré dans la pitié. Et je dis, monsieur, nous avons deux choix. Si nous n'avons pas accepté le marché, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur est en cours son couleuvre qui est dans tout le lit. Et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et je dis, monsieur, mais qui garantit ce gain puisque c'est l'international qui a sonné? Monsieur dit, ou mettez pas là, il n'y a aucun contact. Vous comprenez ce qui s'est passé? Dernier appel, Gag Jovenel. Monsieur finit de retourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Tu as eu le président au téléphone? Je dis, bien sûr. Je viens toujours lui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais ça le dit. Ok, nous derrière ça le tout là. Je réunis l'opposition encore. Je dis, c'était l'ambassadeur Thierry Léo. Je démissionne au nom de qui est-ce qu'il a parlé? Je réunis encore, il a parlé au nom de toute mission diplomatique. Pause. Le plus important. Sénateur, pause. C'est-à-dire, le président Jovenel était prêt? Prêt. C'est-à-dire, le problème, il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, sénateur. M'a dit son vérité. Le problème était l'opposition. Le problème l'opposition, était... pas 40 années. Yo madame pour moi, ambassadeur. Yo pensé qui à la base de problème là. Séance de notre moi, l'ambassadeur. Moi, les sections politiques là. Il me dit, moi, je dois rencontrer tel ambassadeur. Il me dit, moi, sénateur, c'est difficile, nous avons urgence. Il y aurait l'ambassadeur, il mettait le soleil, l'ambassadeur Evalia, c'est comme ça que l'ambassadeur Evalia, dis-moi. Il dit voilà, il y a une urgence pour que moi rencontre. Il dit Evalia, viens chez moi, vendredi. Et l'opposition nous cherchait quoi alors? C'est ça le problème, moi. Et je dis, c'est un problème que moi, je viens avec l'opposition. Et ni moi, ni Kélibatien. Une autre petite question que je me posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bas, ou même, ou bien sénateur Kélibatien. Ça, c'est dans des moments, je ne parle pas de l'opposition. Ambassadeur, qui me finit ça, en seconde. Ambassadeur a invité à la Cadivan Audi. Il dit, je viens seul. Parce que je suis un langage diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je n'ai pas eu autant d'il. Je suis venu, nous chitons dans le palais. Question de culture diplomatique. Bien sûr, il dit, Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre élection? Bon, oui. C'est l'élection ça qui a accouché Jovenel, oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'à dire, même élection ça pas bon, Jovenel pas bon? Je dis, non, pas quoi. Il dit, mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas de pour sortir. Accepter, dit là que Jovenel. Et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il me dit, je ne vais pas prendre responsabilité. Elle dit, prends téléphone, elle fait Yuclo avec un collègue. Je fais Yuclo à téléphone, il n'a pas marché. Il dit, si que ou accepté marché, m'a fait Jovenel venir là, qu'on est là, pour même avec un accord au nom de l'opposition. Ce qui m'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire, reste en opposition, hein? Pas d'accord qu'on fait ça. Non, j'étais monsieur, je suis tombé quand même. C'est ton illusion, je suis tombé quand même. Nous mettons continuer à peser, mais je suis tombé quand même. Donc nous passons 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous arrivons là. Et puis finalement, en 2019, après un pile échec, que chaque fois que je fais ça en réalité, je n'ai pas de résultat. Parce que je monte au Congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés, je parle, je porte des messages, dans toute ambassade, je porte des messages. Ils ont toujours dit qu'il faut me joindre en tête, il faut me rentrer dans un dialogue. Ils n'ont pas cadé comme président pour mettre nous comme civil. Maintenant, finalement, je ne suis pas capable. 2019, en décembre, m'inviter toute opposition à la Cameroun. L'être énorme. L'homme dit toute opposition, tout le monde connaît. Dearpod. Non, pas Dearpod. SDP. Dans SDP. Secteur démocratique et populaire. Les plus importants. Les dirigeants. Je dis, monsieur, je dis non. Nous avons route ensemble. Nous sommes les trois facettes. Nous avons facette diplomatique. Je suspecte que nous avons fait échouer sur le terrain diplomatique. Nous avons facette politique. Je viens croire que nous avons presque échoué sur lui. Nous avons un grand bagage que nous avons avec nous, facette militant. Si m'a abandonné bataille là n'a dit ndrai. M'a prêté dans route là avec nous pour me faire preuve de fidélité même qu'on est m'a perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais silence? Bien sûr, me dit qu'on est m'a perdu parce que ça n'a fait là, il pas dans aucun livre de sens politique. Bon, me posons une question sénateur Evalia Beauplan. Et eux même qui ça t'a cherché? Ils ont pensé peut-être son illusion, d'où ça déjà. M'a pas croire au méchant, ils ont pensé que je venais la tomber. Capitulation totale là. C'est que Jovenel a tombé. Moi, en dans mon diplomatique, moi, pas ouais, quand Jovenel a tombé. Bon, me pose une question directe encore, et maintenant que Jovenel a tombé, il est encore dans la rue. Ça fait ouais, c'était illusion. Ne pas même parler
pour nous absorber choc ça capable. Pas même tomber, assassiner donc. Assassiner, c'est que nous pas de Paris. La preuve on est bien grande société à assister nous, c'est qu'on est en pile mon a bon plan de guérison, quelle était guérison tout le monde guérison. Mais il est trop tard. Quand on parlait du sénateur Kélé Bastien, il était sur plateau, c'est la première question que je me t'ai posé lui. Il a dit et monsieur nous pas rentrer dans parler avec le président Jovenel même s'il était pas mort, nous pas rentrer dans parler, on ça faut que nous chita avec le président pour nous discuter. Personne pas du temps des raisons et était même mettez lui dans cette dehors dans cette question. C'est ça qui était le problème. Mal défendu. Moi je dis encore mais ça Kélé veut l'expliquer. Il y a pas attendez. Et c'est en solidarité, c'est dans bail Kélé solidarité qui fait moi-même dehors. Et vous mettez nous dehors. Non, il y a pas mettez nous dehors. Il était voulait gagner même. Même dit pas gagner beau plan sans Kélé Bastien. Kélé pape dehors, Chile dehors, Malès dehors pour Beauplan dedans. Nous tout appendant. Si c'est Beauplan seulement pour qu'il y ait un dame dehors tout. Et c'est solidarité ça, solidarité ça. Moi, bah, Kélé Bastien qui mène dehors. Parce que Kélé vit nos bêtes noires. Pour même Kélé dit le pouvoir. Et pourtant, c'est en logique. Je veux dire, tout le monde a envie de ça, Kélé, l'intelligence politique. En nous tournant, c'est une question que je poser. On a tourné sous question proposition, ou même comme Premier ministre, Kélé Bastien comme Premier ministre, à un moment de la durée, et Joseph Lambert comme Premier ministre. Dans le combat politique, là, je ne vais pas poser la question de lui. Je connais ça. Je ne vais pas poser la question de lui. Je suis même relou et nègre. C'est là de lui, nègre. Et qui est qui pourrait aimer? Mon cher. Très sincèrement. Vous montez appréciation au Brésil, on a pour échange. Où est mes Brésil? Où est mes Brésil? On a pour en termes de dialogue, bon, mais pas fanatique à proprement parler, mais ma côté. De fait, qui t'aime accepter qu'on soit fanatique Brésil? Parce que je voulais l'exemple que je m'apprends pour le temps. Prenez l'exemple, pas de problème. Neymar, son joueur, c'est vedette Brésil. Sous Remé Brésil, où tu as supposé Remé Neymar. Quel est le côté qu'on y va? Match a tellement animé Neymar qu'on fait excès. De cause Brésil perd un goal. Gondrib, monsieur fait, il n'y a pas de faire en plus. 6-7 juillet, c'est ça qui est passé. Arrivé, 6-7 juillet. Donc, vous imaginez que le peuple a des paroles dans l'invité. C'est le moment où il a fini d'assassiner Modona Cité. Il y a besoin de leaders qui montent au créneau pour défendre nous. Ou à utiliser toute astuce pour montrer mon yo, que vous comprenez ce qu'il a traversé. Ou vous voulez contribuer dans l'aider au défendre nous. Vous avez dit, mettez l'huile. Voilà, moi, non, radio, côté débat animé. Maintenant, ma fausse citation. De des bagages qui a empêché bandits de rentrer dans l'assassinat. Mon cher, je ne suis pas bon menti. Je ne suis pas même rendre compte. Je suis cité, mettez barricade, mettez wash, mettez bout de bois. Je ne suis pas compte de ça sorti. Je ne suis pas bon menti. Je ne suis pas rendre compte. D'ailleurs, le privé dans demain, ça a quelques jours. Il y a qui dit, mais Kaïm a assassiné. Je dis, Kaïm a assassiné mon papa dans Kaïm. Question d'éthique, déontologie, profession. Je ne suis pas participé dans l'émission Kaïm. Comment Kaïm fait parler de moi et pas invité pour me donner l'émission. Pour parler sans pas rendre compte qui sont dit. Et puis, je me dis, mais il a dit, non, les malentendus de Kaïm, il m'a des personnes à parler de moi. Je me dis, je me dis, monsieur, il y a un bon ou ça, ça. Et puis, je me dis, qui ça a dit, monsieur? Je me dis, tu vois. Je dis, monsieur, je ne comprends pas que je ne suis pas participé dans l'émission Kaïm. Je dis, nous prenons l'émission, nous faisons l'autre gâteau, mais ça n'a pas. Bob se dit, bon plan, c'est Bob Sek qui n'a mis quoi? Zami pour. C'est guerrier de Dieu, c'est pour qui n'a mis quoi? Est-ce qu'on comprend? Bob Sek a guerrier, t'es canon micro, il n'y a pas le mal. Il dit, monsieur, mais ça a dit. On a écouté histoire. Mais ça a dit, il dit. Et puis, monsieur dit, bon plan, faut titan. Enfin, on dit, c'est bon, faut attendre. Si c'est pas où, dit Bob, c'est pas où même. Mon cher, on connaît, même quand il formation en editing, comme si monter image. L'homme tendait, il n'y a pas rien comme coupure qui fait dans l'image. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, vous venez de ses voix. Il dit, ouais, c'est moi. Donc là, plié rapide pour me présenter, excusez-moi, bah, monsieur. Et puis me dit, société, ça, ce n'est pas discours beau blanc. Donc, ce moment, tu es tellement gon animation qu'a fait, tu as envie de parler, montrer mon que au moins, moi, touché par le problème, yo, ça a échappé. Prochaine fois, je prends la parole, je prends plus de temps, je prends plus de précautions pour que type de mots, ça a parole, ça va sonner. Et puis, je m'oblige à assumer, c'est de moi. Ou deal, maintenant, m'assumer. Et que moi, je crois que niveau pas, je ne vais pas parler, même si je me fâche, je me content. Donc, en faisant ce mea culpa, que peut-être auditoire l'a comprendre et accepté. Et que auditoire l'a accepté et comprendre également. Yeah. Vous voulez dire que grand pile bêtises, grand pile dérive qui fait tout dans le combat en Haïti, dans le combat bien politique. Dans tout combat. Maintenant, trois mois pays, le peuple là. On nous garde Zidane. Bon exemple, Zidane. On t'a regardé devant l'Italie. Ce n'est qu'il n'y a pas un message de Zidane. Une parole qui dit dans le football là, que personne ne connaît et puis monsieur fait un coup de tête. Bah! C'est pas le Zidane que tout le monde connaît. Ouais, ouais. Mais quand même, tu as une réaction par rapport à une situation donnée. Absolument. Maintenant, on comprend très bien yeah. Et peut-être pas même une question qu'a posé sur Prince encore, surtout sur la question de là. Et sénateur, donc. Oui, facile pour moi. Non, pour moi, c'est facile pour moi. Non, l'auditoire comprend et ça fait nous dire peut-être. Même si le gouverneur de New York là, il croit que
faut démissionner. Moi, j'ai une parole qui va ça. Et que en pile de journalisme. Ah, bon, blanc, c'est pas de haut. Je pense que l'auditoire, là, comprendre ça. Bon, le fait que là, c'est la preuve que, au moins, la société peut être capable de pardonner, mais éviter que ça reproduise. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on regarde, et encore, pays bloc. 3 mois. En pile bêtises, en pile dérive politique. En pile. Contre un président. Que nous n'avons pas une capacité pour nous unir, pour nous jeter, parce que le pouvoir était à votre porte. À chaque fois, de venir nous bousculer le pouvoir là. C'est même bien question, lorsque Jean-Louis Richard était Premier ministre aussi, vous ne pouviez pas vous entendre. Bon. Soit pour l'accepter ou faire une autre opposition, et c'est ce que nous appelons l'opposition dans l'opposition. On vous a proposé un monde d'Azuré comme Premier ministre. Qui ça fait ça pour pas de Jean Kamaché? Bon. Moi, juste rappeler des lignes combat, moi. Et c'est l'engagement de Braque, monsieur. Facette militant, je vais trahir l'île. Si je n'ai pas avancé, il faut m'avancer avec vous toutes. Dans l'heure, le président Jovenel n'a pas parlé avec moi. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté que je parle avec le président Jovenel. Il y a des gens qui te croient que c'est normal. Les bons pour nous connaître ce qui est passé dans l'autre côté de la barricade. Il y a des gens qui ne pas comprendre, ni, qui t'ont utilisé comme des barrières politiques contre moi. Est-ce que c'est accusé que moi une question entre les lignes. Est-ce que c'est parce que c'est pas Théo peut-être? C'est pas Théo. Yo t'ai souhaité c'est yo. Parce que Gonti chantait comme ça. Oui, c'est pas Théo. Pas bon. Et gen moun qui rencontre Jovenel le soir. Et m'tap di Valérie Numa, en pile nèg parle avec Jovenel, Moïse, gon gren nèg qui accepté deal. C'est beau plan. Et m'a toujours dit. J'avais cette information. Et si c'est Jovenel Moïse qui t'a dans l'émission là, il t'a vrai dit combien moun qui parle avec lui. On t'a saisi tant de ça. Et président t'a dit ni. Je parle avec tout le monde en opposition, a dit le président. Et ça, on va comprendre. Il y a plus de monde qui parle avec Jovenel sur le téléphone. Vous comprenez ça, ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire? Si on va comprendre, je vais se poser une question. Je ne comprends pas. Ça veut dire que je parle avec même Jovenel Moïse. Je compte là, et puis je passe sur l'autre téléphone, je parle avec Jovenel Moïse. Comme homme d'État, je ne parle pas dire personne que tu parles avec Jovenel Moïse, sauf lui-même qui vient pour l'assumer que tu parles. Nous t'ai dit ça, peut-être question plus rapide, mais réponse à court, auditoire va comprendre ça parce que nous avons rapide temps. Mais pour qui ça, nous avons fait la population ça? Berner la population, régler les affaires personnelles, faire sentir un combat politique. Yo, et puis le peuple meurt. Il y a un côté où vous voulez aller, il n'y a pas expliqué peuple. Qui côté vous voulez aller alors? Bon, il y a un avoué. Moi-même, son livre ouvert. Et c'est ça qui fait force, moi. On va parler de 3 mandats, ça fait force, moi. Je ne parle pas avec Jovenel Moïse, je ne parle pas avec Tatavel, je ne parle pas avec lui. C'est que je ne parle pas avec lui, je ne connais pas si je suis un speaker, je ne peux pas l'attendre. Jovenel Moïse, on est avec 11 ans, et puis Zamia dit, bon, je ne parle pas avec le président. Bon, il y a tellement de gens qui me parlent avant. Je dis, président, je vais le transférer ça là-bas, monsieur. Qui ça pour me dire? Et finalement, c'est ça, peut-être pour retourner à la question, là, qui fait pas arriver Premier ministre. Parce que moi, je comprends que l'opposition pour comparer, pas de maturité assez pour assumer. Ça que moi, je lis dans le livre Sciences politiques. Il t'ai proposé et qu'il est basé comme Premier ministre également, et ça que ça va marcher. Parce qu'il est toujours tient à ce que qu'on accord large avec toute l'opposition. Et c'est ça, moi-même, beau plan, moi, t'es vrai. Et mois d'avril, moi-même, avec Jovenel Moïse, n'a parlé de ça. Les présidents sont accord pour chercher. Pour que ça, un an, ça n'a pas partagé entre eux, vous-même et peuple là, puisque sont un an qui contestaient. Si je n'en place pas, on a fait 6 mois dans un an, on a quitté l'autre 6 mois. Et que le Premier ministre moyen, il porte responsabilité. Je dis, monsieur, peut-être que Madjo t'a pardonné ou moi t'as sorti plus ou moins bien. Tout le monde t'a sorti bien. Et l'opposition, t'as besoin d'une fenêtre pour rentrer dans le pouvoir. L'opposition tellement poussée loin, mais dans ce pas où une fenêtre pour entrer, quand il y a des difficultés pour entrer. Et si moi-même ouvre avec petit groupe PAM, des nègres qui sont basse, des nègres qui sont pas venir jouer nous. Si pour me venir jouer nous, il faut au moins bagarre à l'âge pour l'autre rentrer tout. Et je t'ai même proposé le ménage ou pour le bon Premier ministre. Même si c'est pas moi-même qui suis Premier ministre, pour m'accepter mes mandats gouvernement. Je me dis, monsieur, il y a des gens qui ne peuvent pas entre eux, dans la politique. Il y a une dimension, ils ne peuvent pas gommer entre eux. Ils vont passer peut-être qu'il y a des complicités des deals. Je me prends de non. Et que malheureusement, sans jamais, c'est pas nous-mêmes qui avons conseillé le président. Moi, je ne sais pas, je ne parle pas avec lui. Donc, conseiller politique, il m'a connu. Peut-être qu'il n'a pas bien tombé bon. Alors, sénateur Kélé Bastien, comme il a été dit, il n'a pas utilisé lui. Et c'est le président de la République qui conseille ses conseillers. Bon. Qui bien dit, et au contraire, ça me regrette, c'est que Jovenel Moïse, il côté, je me suis plaint de situation là même. Que le dîme, il a envie de charger de tout ça. Il a envie de dire, il dit le public, tout. Tu dis, chaque monde, il a dit, monsieur, on suspend. Il a dit, il finit de parler, il fait exprès, il prend une vidéo, il voit pas moi. Quand ça me dit, ça veut dire qu'il prend une vidéo, côté, il finit de prendre la parole là, il voit pas moi. Jovenel Moïse, il adresse à l'opposition. Téléphone dans son air, il dit, Bob, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Blanc, est-ce que
ou qu'a branché très dash. Il dit, oui, ça, président. Je vais parler. Monsieur, je vais parler avec nous dans la montagne de message. Ça. La motive. Mais moi, je fais message, ça va passer. Je ne connais pas pour contre. Moi, je tiens à ce qu'ils font à la politique. Mais à la politique, il doit pas être bon politique. Pour que tout le monde la donne. Et je dis, c'est même à la politique, c'est lui qui a l'ordre du jour. C'est lui qui a cherché. C'est lui qui a l'ordre du jour. Et pour l'autre, je vais ajouter nous. Pendant temps, ça, je rencontré tout diplomate. Et je dis, j'ai un mandat officiel de l'opposition pour rencontrer tout diplomate, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Je dis, pendant que je suis dans SDP, depuis que je rencontre un diplomate, c'est un problème. Je rencontre un lawyer, c'est un problème. Pendant que je suis fini sous ça, parce que tu as rencontré le diplomate Daniel Foucht, envoyé spécial des États-Unis en Haïti, je suis fini sous lui, même les poser où, peut-être une question pour essayer de comprendre. Un grand homme politique, que nous parlons de citer dans l'État, là, tout, peut-être question de. Il y a une question qui dit que. Souvent, les gens qui ont mené des batailles, ce n'est pas eux-mêmes pour eux, c'est les gens qui sont derrière. Ça, qu'on arrive. Parce que c'est un coup de bandit qu'on dit, ce n'est pas eux-mêmes qui ont des âmes, ce n'est pas eux-mêmes qui cachent des âmes, non, c'est les gens qui ont des âmes pour nous. C'est les gens, peut-être, opinion sur eux, qui dit que là, les politiciens devant scène, non, ce n'est pas les mêmes pour eux. C'est-à-dire, les politiciens ont des maîtres. Bien sûr. Peut-être que tu as envie de faire des batailles, ils ne sont pas capables à cause de mettre eux, c'est ça qu'on fait, non, ça qu'on arrive. Parce que la majorité des gens qui font politique, ils ont mis assez à eux pour nous réfléchir ensemble pour avancer. Des fois, on voit qu'ils s'accompagnent les gens avancer. Les gars font même logique avec eux. Les gens venaient voter pour Venezuela. Je me dis, monsieur, nous partons pour 2 ans. Diplomatie, c'est une question de deal. Mm-hmm. Monsieur font un deal pour moi. Ils votent contre le Venezuela. Son sacrifice, il le fait. Son sacrifice, il fait. Au moins, monsieur, il a 2 ans mandat. Qui s'en a fait pendant 2 ans, ça? Regardez, vous qui dites, ah, il faut volume, on a mis dans la rue. Taylor, va me raconter peut-être une histoire directe. En question, Binu a rentré. Intelligence journalistique, ou peut-être, on ne sait pas, intelligence tout court. Il y a un monde qui dit, et nous dit que, depuis minuit entré, l'opposition a perdu du combat. Est-ce que nous t'es, ouais, ça a tout? Non, nous pas trop devant ça. Mais au contraire, au sujet des dernières manifestations, nous faisons devant minuit. Mm-hmm. Ou d'ailleurs, bon, dans, pour tes messages, même pour tes lettres, pour tes messages. Nous pas trop devant ça. Illusion fait quoi que, volume moun cap dans la rue, comportement population, mettez jeunes à l'heure. Et nous-mêmes, tout nous t'es pensé que, comme si même j'ai un grand pays, depuis que nous n'avons pas qu'à diriger, nous avons démissionné. C'est une illusion, oui. Donc, nous avons récité des bagailles que nous avons dans le grand pays. C'est donc quoi jouer Stade Silvio 14. Et pour contre, c'est Maracanã qui va jouer. Je ne vais pas comprendre. C'est-à-dire que il y a des bagailles qui ne sont pas applicables à ce stade-là, il n'y a pas de tout public, ça, tout bagaille. Et puis, vous pensez. Vous pensez que c'est une illusion, ça. Nous d'accord sur le plateau avec l'opposition consciente, quelque part, quel a été le problème et quel est encore le problème à travers les explications. La phrase n'est pas dite peut-être de cette manière. L'opposition a été le problème, mais je dis à l'opposition constater qu'il y a un problème. Et qu'elle n'est pas innocente. Parce que l'entendre d'un problème, là, l'a répété, ou pas rendre compte qu'il y a un problème. C'est là qu'on est, ou face à la vérité, on vous dit, mais avant, t'as un problème. C'est là qu'on son match au fin de jouer. Vous prenez un gol là, vous pensez à Bit, là, t'as un faute, il va sanctionner. Et vous pouvez le regarder, cassette, on dit, là, mais c'est où t'es crétin. Ah, monsieur, là, on t'es péché. Crétin. Même si t'es crétin, est-ce que le mot est trop fort? L'opposition, on regarde cassette, on dit, là, nous t'es péché. Vous ne voulez pas reprendre, est-ce que le mot est trop peut-être fort? Peut-être si la nature baille aux chances pour refondre l'autre combat, il va faire le genre. On connaît dans ça. Ok, sénateur Évalier Beauplan, nous voulons finir sur le prince. Vous n'avez pas voulu vous asseoir avec le président Jovenel Moïse quand j'ai dit vous l'opposition de manière générale. Pas que je prêché. Non, quand j'ai dit vous, pas contre moi, maintenant, automatiquement, la majorité a décidé de faire autrement. Moi-même, Kéli Bassin était toujours prêché à ce que nous jouions un terrain d'entente avec Jovenel. Quand le Jovenel Moïse est en montée machine, il a imposé le follow-up, je dis. Finalement, je me fais agression sur les qui relèvent pour dire, mais président, je me dis même, je ne suis pas là. Bon, je ne suis pas là, je ne dis pas président, je ne suis pas là. Je me dis, je ne suis pas là, je ne pas là. Vous comprenez ce que ça veut dire? En politique. Donc, sous la politique du Valier, après, vous êtes assassiné. Vous ne pas comprendre. Ça veut dire que vous arrivez face à un pouvoir, même dialogue ou pas décidé. Vous refusez ou pas parler avec le président. Des avantages que j'ai, c'est moi qui prends le contact là. Ça veut dire que le message, ça aussi, moi qui viens joindre, lui vient joindre. Et réponse sur ce, passez pas moi. C'est d'un coup, c'est moi-même qui dure. Et monsieur qu'on reproche, la petite fille qui est-ce qui grand ni, qui est-ce qui pas parle. Mais proximité de la famille, je ne vais pas quitter dès que fait ça. Finalement, il finit par comprendre moi. Il dit ouais, que je suis mauvais que ça. N'a pas un rendez-vous certainement. Équipe, hein? N'a pas un rendez-vous certainement pour nous continuer à parler de ça parce que nous étions dans le fond mais il y a des points pour nous retourner sur vous avec vous, sénateur, évaluer vos plans. Nous rencontrer Daniel Foucht, de qui ça nous parlait? Nous parler de questions d'insécurité. Hein? Et puisque l'international croit que faut une alternance politique, faut qu'on côté privé, élection faite dans le pays pour changer
personnel politique, d'autant plus élection par exemple. Pour nous arriver dans l'élection, ça, il y a plusieurs bagages pour nous mettre sur table là, qui sont insécurité. On est déjà, nous parler de lui, comment l'international a supporté nous pour au moins nous capables de combattre ça qui est là, pays qui gangsterisé un peu partout. Nous parler du conseil électoral. Mon conseil électoral a été choisi de manière unilatérale par l'équipe de Jovenel. Je ne dis pas inspirer personne de confiance. Il faut que acteurs ou participer dans le choix conseil, nouveau conseil électoral. Nous parler des quatre électoraux là. Des bons scandales, des malogues, des choses comme ça. Et puis des quatre qui peuvent encore expirer. Et puis quand les quatre qui viennent nous, qui ont fait plusieurs quatre, nous parler de ça. Nous parler du gouvernement Ariel là. Le gouvernement Ariel là, Ariel manque de légitimité. Ou bien pas rien du tout. Parce que la constitution le dit que le premier ministre doit émaner du Parlement. C'est le président choisi, ratifié par le Parlement. Le Parlement est dysfonctionnel, M. n'a pas de légitimité ça. Maintenant, l'on n'a pas de légitimité ça. Maintenant, il faut chercher, puiser de l'autre côté. Pour jeunesser les acteurs politiques et la société civile, à travers un copolitique dans le Badil. À quoi ça le gagner? Les premiers ministres. Donc, si nous ne corrigeons pas ça, maintenant, nous ne pas arriver au côté, il y a un monde sans légitimité qui a mené un pays, qui a mené vers la dérive. Maintenant, le pouvoir que nous habituons, au point de vue culturel, même constitutionnel, même institutionnel, ce pouvoir bicéphale. Un président avec ses attributions, un premier ministre avec attributions pâles. Maintenant, il n'y a pas qu'à déléguer le pouvoir président à premier ministre, vice versa. Parce que nous prenons exemple, vous connaissez déjà, le président, c'est lui qui choisit l'ambassadeur. Si il y a une nouvelle directive politique, c'est le président qui s'en charge. Un premier ministre va choisir. Le président, il faut lever à décision de justice pour bien appliquer. Le premier ministre n'a pas qu'à faire. Le président, c'est le président, le conseil des ministres. Il n'a pas qu'à faire la place. Le président, c'est lui qui nomme les conseils de banque, le directeur général de la police, même si c'est un conseil des ministres. Les directeurs généraux de banque. Les directeurs généraux, il n'a pas qu'à faire. Sauf si il y a un accord politique qui dit oui, non, le premier ministre a un mandat pour le faire. Face à tout ça, nous plaidons à ce que le pouvoir bicéphale, avec attribution à chaque individu, pour que chaque monde. Nous parler également de tremblement de terre là. Je vous dis, l'élection a dû avancer plus longtemps, plus loin par rapport à pays à genoux. Nous pas qu'à quitter un pays à genoux et puis nous n'avons pas parlé des élections. De politique de l'élection. Nous n'avons pas qu'à garder des gens qui n'ont pas d'adresse encore. Donc nous parler de tout ça avec foule. Et lui conscient que l'international, des fois, qu'on est posé le trop dans ce qui est rapport à problème pays. Hein. Je veux dire, il pensait que l'international pour un recul plus prudent dans le comportement par rapport est-ce à... Est-ce que nous avons assurance que nous bien le gouvernement ou pouvoir bicéphale, on ne sait pas, son dans combat, les heures, dans les jours, son dans, combat, dans les mois combat, qui viennent. Son combat, et Ariel, en tant que médecin, je suis à un niveau pour comprendre que le pays a dit halt là, il n'a pas qu'à avancer, il n'a pas qu'à avancer pour lui. Donc je dis, un grand pile équipe qui a monté, même une belle équipe, qui t'aime qui est là, une longue réunion avec de grands synédrés, pour au moins nous prendre responsabilité, nous. Parce que ce n'est pas dit, nous pas vrai, il faut que nous prenions responsabilité. Et responsabilité, ça, grand pile nèg qui motivé, il faut que nous prenions pour empêcher que le pays a parlé la route. Et nous avons rappelé Ariel à l'ordre pour nous dire que, pour continuer, pas qu'à porter responsabilité, ça. Merci beaucoup, ça. Sénateur Rivalier, à vos plans. Nous n'avons peut-être pas rien tout le temps devant nous, même, parce que nous avons fait un petit râle dans l'émission aujourd'hui. Et tant que nous avons c'est peut-être la première fois de toute une série, et il faut que parole politique au palais. Et puis souvent, pour une compréhension, échange, et puis pour l'histoire, peut-être des choses que nous devons connaître. Merci de votre disponibilité, et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes, et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.